qu'il y a, Biodo? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu es juste en train de piaffer partout, là. Est-ce de ma faute? Je n'ai pas dit que c'était de ta faute, chérie. Mais tu n'as pas besoin de le dire parce que ton attitude est en train de le montrer. Tu m'as revu la dernière fois, au milieu de la nuit, pour qu'on aille à l'hôpital, pour que c'est une fausse alerte. Et là, c'est quoi? Dis-le. Comment j'étais supposée savoir que les premières condamnations étaient fausses? Comment? Suis-je déjà tombée enceinte auparavant? C'est pas de ta faute parce que c'est pas toi qui portais cette grossesse. J'ai une longue nuit et je suis très fatiguée. Je crois que j'ai besoin de me reposer. Oh! Tu as une longue nuit. Biedou, tu as une longue nuit. Ma nuit était courte, hein? La mienne était courte. Je n'ai pas une longue nuit. Biedou, arrête de te plaindre. Va-t'en. C'est tout ce que tu sais faire. Va-t'en. Pendant que j'y pense, puisque je suis la seule à porter cette grossesse, pourquoi et comment ne sais-tu pas que ta date d'échéance n'allait pas jusqu'à se prolonger à 2 mois? Toute femme enceinte que je connaisse dans ce monde et même au-delà connaît sa date d'échéance. Qu'en est-il de ton cas? Pourquoi penses-tu tout ça me frustrer? Comment suis-je supposée de savoir? Suis-je déjà tombée enceinte auparavant? Toi aussi, pourquoi tu me frustres? Pourquoi? Je suis une femme enceinte, pourquoi tu me frustres? Très bien. Lorsque tu auras besoin d'un service, tu devras te débrouiller toute seule. Et tu réaliseras à quel point je suis utilisé. Je suis en retard. Donc il faudrait que j'aille me préparer et aller au boulot avant le sommeil aux yeux. Oui, le sommeil aux yeux. Tout ça à cause de toi. Travail. Pourquoi tu peux même te préparer, hein? Ça sert à rien tous les jours. Tu n'as pas besoin de te préparer. Viens partir au travail, viens. Tu peux partir avec ton pyjama au travail, hein? Tu sais que je ne travaille pas. Qu'est-ce que je suis? Je suis une femme enceinte sans travail. Je n'ai pas de travail, non. Je suis sans emploi. Biadou, laisse-moi tranquille dans cette maison. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas besoin de t'habiller, Biadou. Tu n'as pas besoin de te laver. Viens pas toi au travail. Pourquoi comme ça. Tu cries à cette heure de la journée? Laisse-moi tranquille. Là, quand tu arrêtes de crier, viens à l'intérieur. Je ne suis pas en train de crier. Biadou, tu vas partir au travail. Viens pas toi au travail. Viens pas toi au arrête travail. De crier. Tu n'as pas tu besoin de peu trop là. Viens pas toi au travail comme ça. Et que tu me frustres sans emploi. Je suis une femme enceinte sans emploi. Biadou. Sérieusement, les gars, j'ai pas arrêté de fouiller ces documents que le poste m'a donné. Je sais pas pourquoi il demande que quelqu'un d'autre les revoie. Parce que c'est agaçant et ennuyeux. Bien, il faudrait que tu te rassures. Peut-être ces documents sont très importants. Écoute, je suis très sûre de ce que j'ai fait. Ah. C'est vraiment ennuyeux. Vraiment. Feu, oh mon Dieu. Chérie, ce gars ronflait. Pardon, je me suis fait un souci. Pardon, j'ai pas le temps pour ça. S'il te plaît, allons dans notre bureau. Je voudrais voir ce qui ne va pas. Allons-y. Soumets en poste. Oko. Le feu. Vu comment tu étais. Tu sais, la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore giflé, c'est cette stupide fille de Tina. C'est parce qu'elle me court après. Et aussi le fait que ça sera vu comme non professionnel si je lui donne une gifle. Oh, voyons, Biado. C'est juste une femme. Non. Elle mérite. Je dirais même 7 à 8 gifles. Pour mettre de l'eau dans son cerveau. Et aussi sa bouche. Comme je l'ai dit. Stupide fille comme ça. C'était juste des femmes. Je comprends pas vraiment le monde de tes femmes, tu vois. Je ne comprends pas cet animal. Plus j'essaie de les comprendre, plus je m'éloigne de la possibilité de la comprendre. C'est totalement fou, ça. Sommes-nous en train de parler là de Tina? Tina. Est-ce qu'on parlait de Tina? C'est de Tuma que je m'entends parler. Et qu'est-ce qui te fait rire à ce point-là? Dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est pas drôle. Que... Considère sa condition. Il n'y a absolument rien à considérer dans sa condition, là, mon frère.
tu ne peux pas te considérer sa condition. Pourquoi tu manges que je me peux me demander de prendre en compte sa condition? Mais de quelle condition on parlait? Elle ne souffre pas d'un cancer. Tu me demandes de prendre en compte sa condition à l'impression qu'elle souffre d'un cancer. Elle est juste enceinte, une simple grossesse. Écoute, je sais que une mère peut avoir 9 enfants. Ce qui ferait techniquement 9 mois pour chaque enfant. Ce qui équivaut à 81. Oui, 81 mois de grossesse. Avant qu'elle ne puisse enfanter. Et la mienne est seulement 7 semaines. Voilà qu'elle en fait toute une histoire. Elle me fait voir de toutes les couleurs à la maison. Oui, écoute, ces femmes changent avec le temps. Les femmes ne sont plus comme ça. Tu comprends, je suis sûr qu'elle va changer. Écoute, le moment où tu porteras ton enfant dans tes bras après 9 mois, tu oublieras tout ce stress. Crois-moi, tu verras. Écoute, frère, tu le dis simplement parce que tu as épousé une très bonne femme. Tu as épousé une très bonne femme, voilà pourquoi tu reprends tout ça. Est-ce que ta femme t'a fait subir toutes ces choses? Hein? C'est vrai, Amaka est différente de Chioma. Ce sont deux femmes différentes. Les femmes réagissent différemment. Je réfléchis à comment je peux faire un voyage hors de cette ville parce qu'honnêtement, je n'en peux plus. Allons, mec, c'est quoi cette tête? Il ne te reste plus que 2 mois. Imagine que c'était une réunion que je me mettais à somnoler comme ça. Le feu. Que ce feu-là te brûle. Tu sais quoi faire. Et le directeur voudrait te voir. Tu ferais mieux de te dépêcher. Biadou, Biadou, réveille-toi. C'est le bébé. Biadou! Le bébé! Qu'est-ce que c'est le bébé? Il arrive déjà? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça, du coup? Je n'ai pas dormi. Le bébé refuse que je dorme. Biadou! C'est pour ça que tu m'as fait. Écoute, Biadou, ce bébé ne m'appartient pas seulement. Alors je ne comprends pas pourquoi je suis la seule personne qui souffre du mal de dos, des maux de... Biadou! D'accord, calme-toi. D'accord, calme-toi. Écoute, réveille-toi. Je ne veux pas me calmer, à moins que tu restes éveillé avec moi. Après, bébé, tu vas rester éveillé jusqu'à ce que je dorme. S'il te plaît, bébé, calme-toi, non. Je dois me lever très tôt pour le boulot demain. Je suis très fatigué, tu vois. J'ai eu une très longue journée. Je n'ai très épuisant. S'il te plaît, laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Je suis fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Dieu doux, je ne suis pas fatigué. Regarde ça.
D'accord. Je ne suis pas fatiguée. C'est moi qui portais cet enfant et tu me dis que tu es fatiguée. Écoute, ce bébé ne se soucie pas si je suis fatiguée ou pas. Alors je m'en fous si tu es fatiguée. Tu feras mieux de t'asseoir. Bientôt. Je suis désolé, je suis du coup. Tu vas rester lié jusqu'à ce que je m'endorme. D'accord. Assieds-toi. D'accord. Tu es en train de dormir? Non, je ne dors pas. Masmondo, ici. Attends, je me sens bien. Non, pas là-bas. Ici. Ça va mieux là. Ona, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis juste sortie pour avoir un peu de calme. Ona, mais je t'ai vu sortir de la maison en courant. Comme si quelqu'un te courait après. Voilà, c'est moi. Tu es arrivé là. Je vais bien. Je vais bien maintenant. T'es sûr? Je vais bien. C'est vrai? T'es sûr? Je suis en quête de la paix, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, tu es très bonne personne, tu sais ça? Non, mais tu es tremblante! Tu es toute tremblante! Comment va ta tatouma? Tatouma, mais tu es tremblante! Je vais bien, je vais bien. Je vais mieux maintenant. D'accord. Mettons que tu es cet endroit et rentre à la maison. Oui, merci. Que ça n'est pas possible, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ils savent que tu es une femme enceinte. Oh, bien. Viens là. Bébé. Tu es la chef des ressources humaines dans ton entreprise, n'est-ce pas? Bien. Honnêtement parlant, pourrais-tu retirer le staff de ses responsabilités. Simplement parce que tu es charmante et belle épouse. C'est risquant de me laisser dans cette position, spécialement en cette période. Mais non, t'as rien à craindre. Il peut rien t'arriver, d'accord? Il faut bien qu'il prenne son temps. Et si le bébé décide de venir tôt? Bien, ne pourra pas. Et s'il arrivait? Ok, voyons. Bien, bébé. Je pense que tu dois appeler une amie. Pour qu'elle appelle une ambulance
Tu sais qui va habituellement visiter nos morts. Tu sais comment tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut pas. Peut-être si tu venais avec moi une fois, tu allais savoir quoi faire. Parce que ma charmante épouse était assez compréhensible pour savoir que son époux est un dieu travailleur et doit se rendre au boulot. Et lorsque tu t'es engagé à te mettre avec moi dans les premiers jours, il fallait également t'y attendre que tu aurais un époux. Voilà, tu comprends qu'il travaille. Mais que penser de ceci? Devrais-je... Attends. Tu penses que je devrais... Tu es en train de dire que ça ira? Tu me laisses ici dans cette maison en faisant rien? Bien, bébé. Je devrais peut-être essayer de te reposer, voilà, quelque temps, tu vois. Ça, c'est parce que j'étais déjà fatiguée du travail. Ça va. J'ai compris. D'accord. Je vais aller prendre mon bain, faudrait pas que je manque mon vol. As-tu vu mes sandales bleues? Tu connais mes sandales bleues là? Sans moi. Et combien de temps vas-tu passer là-bas? Combien de temps? Oh, ton enfant va naître avant que tu ne rentres? Diedou, ne suis-je pas en train de te parler? Biadou! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi veux-tu toujours me frustrer? Comment je te frustre? Comment? Avec tes muscles pleins, bien sûr! Mais je suis frustrée par ton absence constante! Ce n'est pas prudent que tu me laisses seule dans cette condition! Combien de fois dois-je te le dire? Bébé, je vais juste pour quelques jours, d'accord? Et si quelque chose arrivait pendant ces quelques jours? Mais quand tu l'arrives, t'as l'habitude de dire que tout ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Voilà, tu arrêtes de lire la Bible. Faut que jamais bosser la gueule. Sans retard. Je vais chercher à manger. Apporte-moi un peu de chaude, s'il te plaît, d'accord? Tu peux venir la prendre toi-même. Ma chérie, réponse. Je sais pas ce que je vais dire, c'est... Vous pouvez voir si ce téléphone a sonné. Donc personne ne sait m'appeler aujourd'hui, c'est ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais maintenant? Putain, ça c'est une situation de merde. Putain. Regarde, ça dit quoi? Ah, tu ne laisses même pas le téléphone sonner. Mec, laisse-moi. Je viens de recevoir un terrible message de la compagnie aérienne. Ils me disent que mon vol a été annulé et qu'il n'y a aucun autre vol dans lequel je peux embarquer. Comment? Comment? Là, je pense que tu devrais le faire comme tu le sens. Pourtant que voilà que j'ai même déjà arrangé mes affaires. Et voilà que ma femme ne cesse de me crier dessus 24 sur 24. Je peux même pas me concentrer. C'est la grossesse. Elle en a encore pour vraiment pour quelques mois. Bien, j'espère que tout ira bien. Franchement, mais je sais vraiment pas ce qui va se passer, mais... Une chose dont je suis sûr, c'est qu'il faudrait que je trouve un endroit où passer la nuit. Je n'ai plus du tout de nuit pour moi maintenant avec ma femme. Mais c'est quoi cette histoire? Je sais pas ce qui va se passer, mais... Je dois partir aujourd'hui. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même s'il faut que j'apprenne un bus, je dois partir aujourd'hui.
Après, toi, vas-tu encore prendre l'avion pour finalement partir demain matin? Parce que mon conseil, voilà, en fait, j'ai fait un choix. Je pense que nous allons prendre le bus de la nuit. Bien, mais il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Présente juste tes excuses au client. Mais de temps en temps, fais plaisir à ta femme et fais-lui l'amour encore plus. ma femme m'appelle, s'il te plaît, laisse-moi te rappeler. D'accord. Passe le bonsoir. Chérie? À la cuisine. Chérie? À la cuisine. Oh, d'accord. J'arrive. Ouh! Mais pauvre le bébé. Est-ce que c'est toute la bouffe que tu as réservée pour moi? C'est ça? Écoute, je mange la poudre. Alors... Es-tu en train de me dire que le petit bébé qui est dans ton ventre et qui n'est même pas encore né, donc ça veut dire que lorsqu'il naîtra, tu seras même capable de finir 60 plats de ce genre? Ce qui ne sert à rien comparé à ce qu'il y a dans ce plat. Attends, qu'est-ce que tu essaies de dire là? Bientôt tu vas dire que je suis devenue grosse. Bien, pas vraiment, c'est pas ce que t'es. Ne fais pas ça! Je n'aime pas! Pourquoi tu dois manger directement dans la marmite? Je n'aime pas! Est-ce que le problème? Voyons! Il y a un problème! Je n'aime pas ça! C'est enfantin! Donc, mais toi tu n'en penses pas? Oui! Parfois! Écoute, si tu veux manger, je vais te servir ça dans le plat. Comme ça, tu pourras aller manger à table. Non, c'est bon, t'en fais pas. Je me débrouille, d'accord? Je vais juste... Je pense qu'il y a quelque chose. Prends de l'eau. Cassie, s'il te plaît. Peux-tu t'imaginer? Allô, Piotr? Ah! Tu n'as pas vu mes appels. Tu étais où? Salut, je t'ai envoyé un message. Tu as dit que tu allais appeler, mais tu ne l'as pas fait. Je suis plutôt en train de t'appeler, là. Après 24 heures? J'ai une longue journée. Je te rappelle juste de la chambre d'hôtel en ce moment. Donc,
Je crevais. J'étais morte d'inquiétude. Tu as dit que tu allais m'appeler dès ton arrivée, mais tu ne l'as pas fait. Comment tu peux avoir quitté la maison hier? Sans même songer à m'appeler après 24 bonnes heures. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ok, c'est bon. Je t'aime, Thomas. Comment tu vas? Comment ça se passe? Oui, ça va. J'ai bien. J'ai pris Ona pour aller faire le shopping. Alors, elle veut juste te saluer. Parle-lui. Ah, bébé, non. Je suis très fatigué. J'ai besoin de dormir. Dis-lui juste salut, bébé. Je te la passe. Allô, tonton Biodoum. Salut, Ona. Comment tu vas? Ça va aller, oncle Biodoum. Tu es au-dessus de tout. Quoi? Si tu es sincèrement désolé, il te pardonnera. Quel que soit le degré de ta faute, il oubliera. Sa grâce te suffit. On a quoi? Comment le sais-tu? Sa voix quoi? D'accord, on a écouté. Si tu me blagues, tu dois arrêter ça immédiatement. Je ne suis pas du même pour ce genre de. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant, d'accord? Crois-tu que c'est une blague? Je veux dire, ai-je l'air de quelqu'un qui blague maintenant? En tout cas, d'accord. Achète-moi quelque chose en rentrant, ok? Bye bye. Allô? Bébé, puis-je te rappeler, j'ai un appel en train. Ok, prends soin de toi. Thank you.
Allô? Salut, jeune homme. Je suis Cassie, ou pas, tu voudrais le savoir. Ah, salut. Comment est-ce que tu as eu mon numéro? Non, je me la fais parvenir. Alors, comment a été ta réunion d'hier? Je t'ai appelé plusieurs fois, mais t'as pas décroché. Ça s'est bien passé, merci. Tout va bien? Écoute, je dois passer maintenant, d'accord? D'accord, et si on se voyait plus tard dans la nuit? Je vais chanter dans le nightclub. Peut-être tu peux être là. Je serai très occupé à cette heure, voilà, je serai disponible, d'accord? Ok, à plus. D'accord. Pourquoi a-t-elle raison? Comment connaît-elle toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'elle me les raconte à moi? Pourquoi ça me fait culpabiliser? Elle est dans mon cerveau. Vas-tu quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elle a raison. Si tu regrettes réellement ce que tu as fait et que tu as demandé pardon à Dieu, il te pardonnera. Mais j'ai demandé le pardon. J'ai demandé le pardon, je me sens toujours coupable. J'ai fait absolument tout ce qu'il fallait, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai fait absolument tout ce qu'il fallait pour que j'aie changé. Mais pourquoi est-ce que je ne change pas? Mais ça, c'est de la sorcellerie. Mais le diable te joue un sale tour, mon ami. Écoute, nous commettons des péchés tous les jours. Tout le temps, des petits péchés. Mais pourtant, nous ne nous battons pas pour ça. Nous ne nous sentons pas si mal à ce sujet. L'envie, la cupidité, l'orgueil... Pour le moment, tu m'as dit que tu seras ici à 16h. Dis-moi, à quelle heure es-tu arrivé ici? 16h15. T'es-tu senti mal pour ça? Et qu'est-ce que cela est censé dire? Ce que j'essaye de te dire, c'est péché égale péché. Peu importe que ce soit dans le lot de la cupidité, le mensonge, peu importe, tous ces noms, ce sont des péchés. Nous implorons la gloire de Dieu tous les jours qu'il fait, à tout moment. Tout ce qui nous est donné, c'est par la grâce de Dieu. En particulier la repentance. Oui. Vraiment, tu n'as pas besoin de te torturer pour ça. Simplement que je n'arrive même pas à comprendre ma vie. Il faut vraiment que tout s'arrange. Chérie, ton repas est prêt. Ce repas est très délicieux. J'ai pris mon temps pour le cuisiner. En vérité, la maternité est vraiment agréable. Bon appétit. Merci. Tu aimes? Mm-hmm. En vérité, la maternité est vraiment agréable. Oui. Tu me donnes l'envie d'avoir un bébé. Mm-mm, ça ne marche pas de cette façon. Tu dois d'abord penser à te marier avant de pouvoir penser à avoir un enfant. Et si les hommes ne viennent pas? Dois-je refuser de faire des enfants parce que les hommes ne viennent pas? Allez! Personne ne peut en manquer un homme. Titi, ne me dis pas que tu as rejoint le groupe des femmes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes ou quelque chose d'autre. Y compris les bébés. Bien, nous pouvons s'en sortir sans eux. Et qu'est-ce qu'il arrive quand ils ne sont pas là? Je n'arrive pas à quoi que tu dis ça. Pourquoi pas? Oh, je vois. Pour la très grande femme qui est mariée. Essaye de demander celle qui n'est pas mariée. Je suis sûre qu'elle croit qu'elle peut vivre sans les hommes. Écoute, peu importe ce que les gens disent. Hmm?
Le mariage est un commandement de Dieu. La logique des choses veut que tu te maries d'abord, ensuite tu fais des bébés. C'est ce qu'il y a de normal dans un monde. Je suis fière que tu as compris que la vie est remplie d'animaux. Crois-moi, j'ai vu. J'ai tout vu dans ce monde. Oh. Merci beaucoup pour cette nourriture. Tu n'avais pas d'idée. Merci. Oui, j'ai remarqué comment tu mangeais avec appétit. Ce n'est pas moi, c'est le bébé. Regarde-moi, c'est le bébé. Ce bébé me fait manger comme une malade. Regarde-moi, regarde comment je suis devenue grosse. C'est le poids. Es-tu grosse? Ne le suis-je pas? Tu es sûre? Je suis très sûre. Crois-moi. Que dirais-tu de Bimbe? Au moins, tu n'es pas grosse comme Bimbe. Elle est tellement grosse qu'elle ressemble à un éléphant. Titi. Quoi? Suis-je en train de mentir? Oh, tu le penses. Mais si c'est Titi qui le disait, j'aurais l'air d'un démon. Toi et ta grande gueule. C'est tout ce que tu peux dire. Peu importe. Tu es tellement ravissante pour une femme qui est déjà atteinte. Crois-moi, je te dis. Vraiment, tu le penses. Oh, merci. Crois-moi, j'ai vraiment envie de l'entendre. Te rappeler. Je ne peux pas. Tu peux juste te pocher. Tu essayes de me dire que tu n'es pas appréciée par ton mari, n'est-ce pas? Tu veux l'entendre de ma bouche. Chouma. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, bienvenue chérie. Salut, bienvenue. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ah, d'accord. Il faudrait mieux que je m'en aille. Ok, je suis vraiment désolée. Non, ça va, ça va. Merci pour la nourriture. Ça va. Salut, bébé. Salut. Alors, comment s'est passé ton voyage? C'était bien. Je suis fatiguée, tu as faim? Je te cherche quelque chose à manger. J'ai pas faim, j'ai mangé avant de voyager. Écoute, Titi a fait un très bon gel au rice. Je suis sûre que tu aimais. Je t'apporte ça. Ça m'intéresse pas. Tu es sûre? Tu es sûre que tu n'en veux pas? Alors, comment s'est passé le voyage? C'était bien. Quelque chose d'intéressant s'est-il passé? Quelque chose comme quoi? Je ne sais pas. C'est toi qui viens de le dire, que c'était bien. Oui, c'était le cas. Un voyage d'affaires normal, comme tout voyage d'affaires normal. Rien d'intéressant ne s'est passé, donc... rien ne s'est passé. D'accord. Ah, non. Laisse tomber. Je m'occupe de ça. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je voulais juste t'aider à mettre ça dans les abyssales. C'est que je peux m'occuper de ça moi-même. Je vais pas stresser le bébé et toi. Tu es sûr que tu vas bien? T'as dit que j'allais mal? Non. Non, pas vraiment. Eh bien, dans ce cas, regarde-moi bien. Je vais très bien. C'est juste que j'ai une longue journée, un long voyage, et ce que je veux, c'est de me reposer. Donc, ne te sens pas offensé, je vais juste rester seul. Si tu veux m'excuser. Peu importe. Débrouille-toi.
Attends. Tonton Biodoum, attends. Bonjour. Bonjour. Je ne t'ai pas vu il y a longtemps. J'espère que tu ne me vis pas. Quoi? Je ne sais pas. Parce que tu m'as rien venu lors de ton dernier voyage. Y aura-t-il une raison pour laquelle tu m'évites? Oh non. Oui. Oh non. Es-tu sorcière? Oui. Comme ça? Non, pourquoi? C'est toi que tu me demandes pourquoi, voilà, je veux dire. C'est moi qui devais te poser cette question. L'appel, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien, ça s'appelle le don de voyance. C'est un don des esprits. Parfois, j'ai juste des visions. Hein? Ne t'inquiète pas, la culpabilité s'en ira. Donne-lui du temps. Comment sais-tu comment je me sens? Je viens de te le dire. Tout va bien. Oui, tout va. Tout va bien. Voilà, puis-je. Puis-je te faire une confession? Non, pourquoi pas? Écoute, c'est sur moi. Depuis que cette histoire s'est passée, je n'arrive pas à voir. Avoir une conversation normale, vois-tu, comme l'avait avant. Je n'arrive pas à rester dans la même pièce avec elle, sans avoir ce petit remords au fond de moi. Tonton Biodoum, tu dois essayer. Je veux dire, si tu ne le fais pas, les choses te reviendront par la normale. J'essaie, je continue d'essayer, mais d'ailleurs c'est très visible même qu'elle a changé. Changer, je ne te comprends pas. Je crois que tu connaissais tout. Très amusant. C'est comment tout ceci a commencé. Elle a réduit son bavardage. Elle est devenue aimable, attentionnée. Elle est une très bonne épouse. J'ai pensé que tu avais faim. Alors j'ai fait du riz, sauté, ton plat préféré. J'ai cru que tu étais trop fatiguée pour faire la cuisine. Bien oui, je le suis. Mais je l'ai fait. Écoute, je sais que ça dure un bon bout de temps que tu n'es pas d'humeur. J'ai juste pensé que ceci te fera changer d'humeur. Merci beaucoup, voilà, mais je ne suis pas intéressée. Merci. Dis-moi que tu blâmes. C'est moi vraiment. Ça c'est très mauvais. C'est bien ce que je t'ai dit depuis. Malheureusement, c'est vraiment triste. Je ne sais pas vraiment comment me passer de ça. En fait, je suis enfermé dans une boîte. Dieu t'a pardonné. Je sais. Mais je me sens toujours coupable. Bien. Le fait que tu te sentes toujours coupable, c'est une bonne chose. Parce que ça montre que tu peux encore être sauvé. Mais le plus important est de ne plus commettre la même erreur. Tu dois te pardonner toi-même et aller de l'avant. Je ne sais pas vraiment si j'arriverai à le faire. Ça, c'est compliqué. As-tu oublié? Tu peux tout faire. Mais le Christ est toujours avec toi. Peut-être devrais-je. Allez lui dire. Qui? Tanti Tchoma? Ça, c'est une très mauvaise idée. Et pourquoi pas? Sérieusement, tu veux lui dire que tu l'as trompé dans sa condition actuelle?
Ça va juste compliquer les choses pour elle. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Je sais pas quoi faire. S'il vous plaît, je n'ai absolument pas la moindre idée de ce que je dois faire. Bien. Tu n'as pas à faire quelque chose. Rejoue-toi juste de l'amour de ton père pour toi. Fais tout ensemble avant que tu nourris ton mariage. Je sais même plus si je dois appeler la maison de ça. Jamais, plus jamais je n'oserai la trouver. Jamais. Pieds-toi, arrête. Pieds-toi, je ne suis pas tumeur pour ces conneries maintenant. Arrête. Connerie? Ton époux veut te faire l'amour et toi tu appelles ça connerie? Tu ne te préoccupes pas que je porte cet être humain dans mon ventre tous les jours? Thomas, depuis que tu es tombée enceinte, j'ai toujours essayé de te faire l'amour en tant qu'un bon époux. Et toi, tu préfères cet amour à ton époux? Alors, va chez les autres femmes, non? Tu devrais vraiment faire plus attention aux mots que tu emploies. Ou bien dis-le, je suis désolée, d'accord? Désolée. Tout s'arrête de me déranger, je suis fatiguée. Je ne suis pas vraiment d'humeur. Je suis fatiguée, je veux dormir.
Je voyage demain. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Je pensais que tu avais dit que tu ne vas plus voyager tout au long de l'année. Bien. Mon boss a dit qu'il fallait que je voyage, alors que voulais-tu que je fasse que je dise non? Biotou. Je suis presque à terme. Tu penses que tu dois voyager en cette période? Bien sûr que je prends aucune importance. Ce qui compte pour moi maintenant, c'est ce colis officiel que j'ai à déposer. Alors, peu importe ce qui arrive, moi, je dois voyager. Et néanmoins, tu peux leur expliquer la situation de la maison. Veux-tu qu'on me vire? Non, j'essaie de te rendre responsable. Et être responsable, c'est justement de faire mon boulot. D'ailleurs, je pense faire un bon boulot en ce moment. Ok, en ce qui concerne ton travail à la maison, hein? Et en ce qui concerne ta responsabilité envers ton bébé et moi? Toujours en train de traumatiser toi. Je ne vais pas pour jouer, je vais pour travailler. D'accord? Je vais plus en parler. Biodou, non. Biodou, regarde-moi. Regarde comment je suis, regarde comment je suis grosse. Biodou, s'il te plaît, non. Laisse que quelqu'un d'autre voyage à ta place, non. Donc, tu suggères que je laisse mon boulot. S'il te plaît, reste. Reste, non. Permets que j'accouche d'abord, non. Biodou, s'il te plaît, s'il te plaît. Biodou, s'il te plaît, ne t'envoie pas en voyage. Regarde mon nom. Regarde comment je suis, Biodou. Regarde, écoute-moi, Biodou. S'il te plaît, je n'ai pas envie que tu partes. Mais... je serai dans la solitude. Ah. Et ne pêche plus. Mais tu dois te rappeler que la grâce est disponible. Dieu a pardonné tes péchés. Salut. Toi. Salut. Tu cherches Cassie? Non, pas vraiment. Je vais juste pour lui dire merci pour. Vraiment. Pour changer mon téléphone. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Relax. Cassie n'est pas là. Je pourrais mieux m'occuper de toi. Non. Non. Tu la cherches? Je pense qu'il faut vraiment que je parte. D'accord. Allez, tu n'as pas fait tout ce chemin pour arriver, ne pas voir Cassie. Alors, allons dans ma chambre. Et l'attendre si tu veux. Alors. Écoute. Faut manger pas, d'accord? Tu veux me résister? Écoute, donne-moi juste quelques instants. Le temps d'attendre Cassie. Viens. Viens. Je veux bien m'occuper de toi. Viens.
sais, je sais pas comment c'est arrivé. Tu sais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé exactement? Tu ne connais pas comment tu es arrivé à l'hôtel? Ou tu ne sais pas comment tu es entré dans sa chambre? Ou alors tu ne sais pas comment tu t'es déshabillé et tu t'es couché sur son lit? Quoi exactement? Tu ne sais plus comment tu as prévu voyager? Ah, tu pensais que je l'ignorais? Mais maintenant, tu te sens mal? Dar, tu m'étonnes. Tu m'étonnes vraiment. Écoute, François, honnêtement, je suis désolé. Tu vois, le truc, c'est que la pression dans ma maison est très forte pour moi. Je veux pas du tout mieux, je peux pas. Ça ne donne pas. Ah, tu vois que c'est mieux maintenant? C'est mieux maintenant? Est-ce que tu vois même le genre de problème que tu t'attires? Tu ne peux pas comprendre. Si c'est toi qui faisais face à cette tentation, si tu étais à ma place, en fait, dans mon pantalon, tu te rendrais pas compte à quel moment ton pantalon quitterait. Oh, je comprends très bien. Mais tu te tentes toi-même. Biodo, écoute. Il n'y a aucun type de tentation auquel tu as fait face aujourd'hui qu'aucun frère n'a eu à faire face. Il a surmonté. Dans toute tentation, il existe une échappatoire. C'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. C'est le problème que j'ai actuellement dans ma vie. Ma conscience et mon corps ne sont pas en phase. Des fois, je me dis, ok, bien donc, écoute ta conscience. Et à ce moment, mon corps commence à réagir différemment. Avant de me rendre compte, mon pantalon est baissé. Je suis faible. Je suis faible. Tout le monde a des faiblesses. Mais c'est dans nos faiblesses que Dieu nous rend plus forts. C'est dans nos faiblesses que Dieu montre sa puissance et la rend aussi manifeste. Biolo, quand tu cherche une solution dans ce genre de situation. Voilà ce que tu dois faire. Thomas, mais putain, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Mais putain, qu'il y a ce truc qui est dans ma maison? Qui d'autre? Titi. Oui, Titi. Ça fait 2 jours que Titi me tient compagnie. Bien, c'est vraiment génial. Figure-toi qu'elle est un bon. Alors là, tu vas descendre. Lui demander de faire ses affaires et de sortir de ma maison maintenant. Elle s'en ira la semaine prochaine. Quoi? Non, elle sort de ma maison maintenant. À minuit? Bien. Traite demain matin et pas d'ici. Non. Elle va partir quand je voudrais qu'elle parte. Là, je ne suis pas prêt. Attends, qu'est-ce que tu es censé dire? Savais-tu que je veux quelqu'un ici dans cette maison pour me tenir compagnie? Non, maintenant je suis rentré. Descends, jusqu'à quand, Diodo? Jusqu'à quand? Jusqu'à demain? Ou après-demain? Ou la semaine prochaine? Jusqu'à quand exactement, Diodo? Thomas, elle ne peut pas rester dans cette maison. Pourquoi? Pourquoi tu es si désespéré qu'elle parte? Ou alors j'ai raté quelque chose? Il n'y a rien. Merci, je pense que cette conversation est terminée. Thomas. Guido, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah! Guido, c'est quoi non? C'est quoi non? Ah! J'essaie d'avoir une bonne position pour pouvoir dormir. Guido, qu'est-ce qu'il y a non? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Thank you.
Salut. Bonjour. Oui, bonjour. Attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux m'asseoir pour prendre une tasse. Puis... Oh... Y a-t-il un problème? Y en a-t-il? Dis quelque chose. Tu refuses? Alors, comment va le travail? J'arrive, tu as dit que je me laisse déjeuner, non? Oh, wow! Allez! Je voulais juste avoir une petite conversation en prenant mon petit déjeuner. Ce n'est pas un crime. Oh, t'es-je offensé d'une manière quelconque? L'ai-je fait? Non, pas du tout. Désolé. De rien. C'est bon. Je t'en prie. Merci. Alors, prenons-le. Oh, regarde ma chemise. Il y a trois différentes choses qui activent tes sens sexuels. Ce que tu vois, ce que tu entends et ce à quoi tu penses. Alors ne parle pas, n'écoute pas. Tout va bien. Ne pense pas à cela. Tout va bien. Tout va bien. Ne va pas avec toi. Biodo, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous avons eu cette conversation avant. Eh bien, nous l'aurons encore et encore jusqu'à ce que ça n'aille. C'est quoi le problème, Biodo? C'est quoi? J'ai voulu que mon ami me tienne compagnie pendant ces deux jours. Quel est le problème? Notre maison. Non. Non. Notre maison. Notre maison. Tu ne peux pas décider ce que tu veux. Ça ne marche pas comme ça. L'autre jour, je t'ai demandé de m'accompagner aux visites prénatales. Tu es venu? Non. Tu ne sais même pas à quoi ces visites ressemblent. Tu vois, t'entends parler là comme moi, l'impression que je suis un mari irresponsable. Mais c'est pas le cas. Tu sais à quel point, plus que quiconque, à quel point je t'ai occupé. Je ne suis pas du tout à l'aise avec la présence de ton ami dans cette maison. Et c'est pourquoi je t'en parle. Je veux qu'elle s'en aille. Et cela, dans les brefs délais. Et je ne suis pas à l'aise avec les choses que tu fais ici dans cette maison. Cela t'a permis de changer? Écoute, Choma, écoute-moi très attentivement. Je n'accepterai jamais en aucun cas que toi et ta... Oui, je voulais juste savoir si tu es prête pour y aller. Je descends dans quelques minutes. D'accord. Tu vois ton ami. Tu vois ton ami. On n'a plus du tout d'intimité dans cette maison. Et demain dans notre chambre. Et si tu la portes, ça va. Bien donc. Je vais voir ma mère. Ça fait longtemps. Bien. J'espère que vous allez ensemble, n'est-ce pas? Je l'espère. Elle ne m'accompagne pas. Je vais juste la déposer. Choma. Choma. Quoi? Cette conversation n'est pas terminée. Comme tu t'en vas et quand tu rentres, nous devons finir cette conversation. Est-ce que tu m'entends? Ces choses de ma tête, j'en ai vraiment ras le bol. Il faut que j'arrive à me débarrasser de cette tentation pour une bonne fois. Cassie.
Alokasi, écoute-moi, écoute-moi très attentivement. Je ne peux rien avoir avec toi. Je te demande d'arrêter de m'appeler. Fona. Tu dois le faire toi-même. De quoi est-ce que tu parles? Tu as fait sa part. Et tu dois faire la tienne. Fona, je ne comprends pas toujours pas où tu vas venir. Il a envoyé son fils à la mort. Alors tu peux avoir le pouvoir de résister au mal. Ne baisse pas la garde, tonton. Résiste au mal. S'il te plaît, tonton. Fona. Je ne comprends pas toujours pas de quoi est-ce que tu parles. Va droit au but. Et sois plus clair, alors je comprendrai ce que je veux dire. Bois-le de ta propre source. Laisse son sein te satisfaire. Aime ta femme, même si elle n'est pas aimable. Oh non, mais qu'est-ce que c'est les scènes de ma femme? On y va avec tout ça. Fona. 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 Mchuma, qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru que tu étais avec ma femme. Oh, c'est joli ici. Vraiment. Tu as oublié quelque chose dans ma chambre? Non. Je sais que ma présence te gêne. Hé, hey, tu calmes, dégage ta main de là. J'aime ça. Je sais que tu as envie de moi. Non, attends, je pense que... Tu dois pas dire. Non, je l'ai, faut pas t'inquiéter. Laisse-toi aller. Allez, faisons-le. Allez, relax. Je sais pas ce que tu veux, d'accord? Es-tu sûr que tu n'aimes pas voir ça? Hein? Ah non, putain, écoute, reste loin de moi, d'accord? C'est d'accord? Quoi? Éloigne-toi. Elle ne veut pas rentrer maintenant. Pourquoi es-tu si stressée? Allez. Arrête de moi, l'un de moi, ça, écoute, laisse-moi tranquille, d'accord? C'est quoi? Laisse-moi tranquille, sors de ma maison, ce chat! Tu m'entends? Dégage! Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore là? Je veux que tu fasses tes affaires! Fais tes affaires, fais le camp de chemin sous le champ! Dehors, fais le camp! Elle ne décroche pas mes appels. Biodo, elle ne décroche pas mes appels. Biodo, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est juste partie? Mais ça tombe bien. Il fallait qu'elle parte, alors elle est partie. Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle devait partir, alors elle est partie. Elle est partie, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est juste partie? Qu'est-ce que ça signifie, Biodo? Qu'est-ce que ça veut dire, Biodo? Biodo, j'en ai marre. Biodo, j'en ai marre. Biodo, tu me pousses à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Bois de l'eau de ta propre source. Qu'est-ce qu'il y a, Biodo? Pouvons ne pas avoir la paix dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Satisfait. Aime ta femme. Même quand elle n'est pas aimable. Biodo, je suis encore parler avec toi, non? Biodo! Biodo? Ce n'est pas à toi que je m'adresse.
désolé, d'accord? Peut-on juste oublier cette affaire et ne pas parler de ça? Concentrons-nous sur toi et moi. Tu crois que l'enfant a besoin de toi? Peut-on juste, si c'est possible, éviter de se battre tout le temps, de faire tout ce qui ne fait pas être notre énergie, notre distraction. On se concentre sur notre action. Ça me manque la façon dont nous étions. Ça manque cette discussion que nous avions. Toutes ces histoires que tu me racontes, tout ça. Coucou mon bébé. Hey, alors comment tu vas? Comment tu vas? Te va bien? Ah, j'ai remarqué que tu as laissé la porte centrale ouverte. Non, la fichette. Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai fait. Je laisse la porte ouverte parce que j'ai entendu conduire. Ah, d'accord. Alors, chérie, j'ai passé dehors de ta nourriture depuis l'extérieur là-bas. Alors, c'est pour un petit dîner. Je veux pas que tu stresses. Toi, c'est pas bon de stresser avec moi. Je sais. Je voulais juste te faire manger. Ah. Alors, comment s'est passée ta journée? Écoute, j'ai finalement déposé ma demande au bureau pour un transfert dans un autre département. Vraiment? Ouais. Oh, je peux me permettre de passer ces essais. Avec une épouse enceinte, je dois rester ici pour prendre soin de ma femme et de mon fils. Tu vas bien? Ah, oui. T'es sûr? D'accord. Alors, dis-moi, je voudrais te demander comment on va la semaine prochaine pour un. Chérie, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que papa? Je pense que le bébé arrive. Le bébé arrive? D'accord. Non. D'accord. C'est bon, je suis là. D'accord. Non. Oui, d'accord. Je suis là, je m'en occupe. Laisse-moi. Reste. Suis là, d'accord. Doucement. Ok, je gratte. Oh.
pourquoi ne prends-tu pas mes appels ou même me rappeler? Ah, salut. Qu'est-ce que tu veux faire à Lagos? Je travaille maintenant à Lagos. Oh, tu travailles à Lagos? Intéressant. Alors, pour quel hôtel ou boîte de nuit est-ce que tu travailles? C'est ce dans quoi tu penses que je suis bonne? Les hôtels et les clubs? C'est pas ce que vous voulez dire, désolé. Bien, j'ai fini l'analyse de job pour que tu aies passé l'entretien. Puis que le club a été détruit par cet hangar dont je ne connais pas. Pourquoi t'en fermer la boîte? Il disait que Jenny est responsable de leur infertilité. Comment ça? Il disait qu'un prophète lui a dit que Jenny couchait avec des hommes et utilisait leur sperme pour des rituels. Et cela cause l'infertilité chez l'homme et la femme ne pourra pas accoucher. Attends, mais tu as dit que ce nom c'était un coco là? Jenny, la fille que j'ai choisie dans mon sang de l'opposé que... Tout va bien? Bientôt? Il faut que je m'en aille, d'accord? Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? Parce que je ne peux pas croire que tu crois en ces mots qui sortent de ta bouche. Ça fait plus de 6 mois maintenant. 6 mois que tu n'es pas tombée enceinte, même pas une seule fois. Ne trouves-tu pas que quelque chose ne va pas là? Alors quoi maintenant? Que tu es tombée sur une mauvaise fille? Voyons. Mais écoute, tu sais, personne n'est parfait. Ouais, je sais. Mais tu es l'enfant de Dieu, Piodon. Et la Bible déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Est-ce que tu sais le nombre d'âmes piégées qui ont tué Job dans la Bible? Mec, Dieu a préféré Jean. Les âmes dressées contre lui se trouvaient toutes d'un côté de gauche à droite et se tenaient là comme un bon seigneur. Alors quoi maintenant? Qu'est-ce que tu ris? C'est pas drôle. Tu penses que Dieu te vante auprès du diable, n'est-ce pas? C'est pas drôle. Ah, Biodo. Écoute, je pense que tu devrais laisser le temps faire son temps. Calme-toi. Détends-toi, je sais pas pourquoi je te fais du souci à propos de ça. Vraiment? Ouais. À toi? Ouais. Qu'en est-il de... comment ça s'appelle encore là? Oh mon Dieu, tes lèvres. Reste là. Je vais te serrer. J'arrive. Ça pas langue.
Je n'ai besoin de rien. Je vais prendre ça. Et je vais prendre la salade pour accompagner. Merci. Toi? Tu sais que je ne pouvais même pas l'imaginer. Je ne peux pas croire que tu aies couché avec Jenny. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a entraîné dans sa chambre. Donc maintenant tu veux prétendre que tu as été forcé de le faire. Et puis d'ailleurs, pourquoi es-tu en colère? Sérieusement? Écoute, toi et moi, nous sommes engagés dans aucune relation. Je ne suis pas ton petit ami. Tu n'es pas mon petit ami. Nous ne sortons pas ensemble. Alors tu n'as absolument aucune raison pour que tu me mettes en colère. Et cela ne te donne non plus le droit de coucher avec elle. Tu vas baisser ton ton de son en public là. Ne m'embarrasse pas. Je n'ai aucun droit sur toi, pas vraiment. Tu n'as aucun droit sur moi. Alors tu n'as aucun droit de te mettre en colère. Je suis déçue parce que tu étais venue me voir, mais tu as fini dans le lit de mon ami. Comment as-tu osé, Biodo? Comment? Je ne suis pas venue te chercher. J'étais invitée dans ta chambre. Et je regrette absolument tout. Tu m'écoutes bien, je sais absolument tout de tout ce qui s'est passé. Je regrette tellement. Donc je ne suis pas là pour que tu me fasses des scènes de jalousie. Je suis venu pour trouver des solutions à mes problèmes. Vraiment? Et qu'est-ce qui te fait penser que j'ai une solution à ton problème? Le gars. Le mec dont tu as dit que vous traitez ensemble. Le mec dont tu as dit que vous étiez tellement si proche. Et que j'aimerais savoir absolument tout ce qu'elle a bien pu faire. Ce qu'elle a fait, ce qu'on l'a fait. Est-ce que tu me comprends? Tu veux absolument tout savoir? Non, il ne l'a pas fait. Mais sans aucun doute, il n'était pas le seul à faire ce genre d'accusation. Tu sais quoi? Mon conseil serait que tu traites cela spirituellement. Que veux-tu dire par le gérer spirituellement? Tout ce que Jenny a pu faire était spirituel. Pour que tu puisses en sortir, tu dois prendre la même route. Peut-être tu dois assister à une délivrance ou un truc de ce genre. Tu auras une solution à peu importe ce qu'elle ait pu te faire. Essaye un peu d'y penser. Je ne peux pas croire que tu sois marié. Écoute, je suis vraiment, vraiment marié. Est-ce que tu réalises l'erreur? Bien. Je n'aurais même pas dû accepter ça. C'est bon! Mais qu'est-ce qui arrive encore, ma magnifique épouse? Mais tu me l'as promis, tu me l'as promis. Je t'ai dit que je n'y vais passer qu'une seule semaine. Je ne vais pas te quitter pour... Disons, je ne vais pas te quitter pour plus d'une semaine. Je rentrerai après 7 jours. Et tu m'as promis que tu n'allais plus voyager. C'est pour ça que tu allais dans l'autre département. Je sais. Mais regarde ça sous cet angle. Si je fais pas ce voyage et remplis ma mission, je n'aurai pas de promotion. Alors c'est pour progresser dans ma carrière que j'ai fait ce voyage. J'ai besoin que tu me soutiennes absolument dans tout ce que je vais faire. Ça va. D'accord. C'est ma bénédiction. Merci. D'accord. Mais tu dois avoir une promotion dans ce département parce que tu travailles énormément. Tu sais quoi? Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Alors je dirai à mon boss que ma femme demande que je sois promu aussitôt que je sois rentré de mon voyage. Une bonne promotion. Ah oui, bien sûr. J'arrive. Hé, toi.
Comment non? Comment vas-tu? Je vais bien, oh. Comment va Maka et le bébé? Oh, celle-là, elle finit la nourriture à la maison. Elle grandit chaque jour. Je peux imaginer. Ah, Maka va bien. Ok. Dieu là? Non. Oh, prendre un congé de travail n'est pas comme prendre congé de ses amis. Viens. Les congés? Est-ce que Biodo était supposé aller en congé? Ne l'est-il pas? Non mais écoute, il faut vraiment qu'on parle de ça, c'est très important, tu sais ça? Parce que je peux plus continuer comme ça, honnêtement ça devient très embêtant. Non? Non. Écoute, non, écoute, j'étais en réunion, mais je t'ai dit que je voyageais, n'est-ce pas? Il fallait que je voyage. Je ne pouvais pas attendre. Très bien, c'est ça la maison là. Je te rappelle plus tard, d'accord? Tonton Biodoum. Bonsoir. Ona. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que tout va bien? Oh. Tu vas bien? Ah oui, bien sûr, je vais bien. Oh non. Oui. Nous devons mentir pour cacher certains petits détails. Comme quoi? Un autre mensonge? Je peux pas lui dire la vérité, voilà. Tu peux, pourquoi pas? Je pense que tu dois juste lui dire et évacuer cela de ta tête. Je sais que tu plaisantes, il n'y a aucun moyen de lui dire la vérité, voyons. Et puis d'ailleurs, c'est toi qui m'as demandé de ne pas lui dire la vérité. C'est bien toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que tu ne pouvais pas lui dire en ce moment parce qu'elle était enceinte. D'où viens-tu? Puis-je rentrer avant au moins un petit repos? Qui est-elle? Quoi? Biodoum. Ne joue pas les sous avec moi. Tu sois avec quelqu'un. Qui est-elle? Je n'ai aucune relation. Alors, où étais-tu pendant ces 7 jours passés? Où étais-tu? Tu étais supposé être en congé. Tu m'as menti en me disant que tu partais en quelconque voyage. Alors, si tu n'étais pas avec une autre femme, où étais-tu? J'étais au séminaire. Pour une séance de prière. Mensonge. Je demande des preuves. Tu peux regarder mon dos. C'est quoi ça? Je te l'ai dit. Je t'ai dit que j'étais à l'église pour des prières. Je suis allé à la montagne pour des prières. Pourquoi? Il fallait que j'en finisse avec notre problème de fertilité. De quoi es-tu en train de parler exactement? Tu devrais peut-être t'asseoir. Rien à voir avec Titi. Et voilà pourquoi je n'ai pas cessé d'insister chaque seconde pour que cette fille quitte absolument cette maison. Si tu penses que je n'échouais pas ma manière de te traiter. Je sais que j'étais constamment privée du sexe. Mais je voulais faire les choses juste pas très mauvais. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Mais à présent, tu as trouvé le chemin. Tu as trouvé le chemin pour te rendre heureux. Ne me touche pas.
après que j'ai perdu le bébé, j'étais dans la solitude. Tu ne pensais pas vrai? Oui, je l'ai fait. Parce que je voulais que les choses redeviennent comme elles étaient. Je savais que tu n'étais pas prêt à voir notre bébé. Ça s'est juste passé. C'était évident la manière dont nous nous traitions l'un l'autre. Après que j'ai perdu le bébé, je suis allée faire le planning familial. Et bien, c'est de ta faute. C'est de ma faute? Oh, Biodo, ferme-la. Est-ce que tu peux au moins pour une fois assumer les bêtises que tu fais dans ta vie? Non, je ne peux jamais parler de cette manière. Je ferme. Non, je peux jamais. C'est très bien, ça n'a jamais marché. Si quelqu'un doit être en colère ici, c'est moi. C'est toi qui m'as trompé, pas moi. Oh, je t'ai trompé, n'est-ce pas? J'accepte ce que j'ai fait. Mais toi, tu n'es qu'une cruelle femme. Tous les jours, tu m'as vu se désolé de mes émotions. Mais tu t'en moquais. Tu me regardais les yeux dans les yeux. Et tu m'as carrément laissé mourir d'inquiétude à propos de ça. Oh, ça n'est rien d'autre que la cruauté. Biodo. Ferme-la. Tu vois ton inquiétude? Ça ne m'affecte pas. C'est ta conscience qui est en train de te juger. Eh bien, ça c'est toi. Ça c'est carrément toi. Tu ne reconnais jamais tes erreurs. Oh! Tu cherches toujours à avoir raison même lorsque tu as tort. Vraiment? Mais putain, tu n'as jamais tort. Vraiment? Tu as raison? Tu as raison, Biedou? Tu parles encore? Qui est allé dehors la tromper l'autre? Hein? Toi? Oh! Qui c'est? C'est son même nom de deux ou cinq? N'ose pas. Ou quoi? Je promets que j'en ai fini avec toi. Non, tu sais quoi? C'est moi qui arrête. J'arrête avec toi. Laisse toi tout ce que peut bien te concerner. Bien. Tu sais quoi? Pas dans la chambre, fais des affaires, il faut le coin de ma putain de maison. Bien. Je m'en vais. Mais casse-toi. Vas-y, casse-toi. Je m'en vais. Tu peux avoir cette maison. Je décache de cette maison. C'est assez pour vous deux. Je suis désolée, la porte n'était pas fermée. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez tous les deux arrêter de chercher qui blâmer et de vous accuser les uns les autres. Parce que cela ne change rien. Ce qui doit changer tout de suite, c'est votre attitude. Je sais et je suis sûre que vous savez tous les deux que bien que la grâce abonde, le péché a toujours des conséquences. Et dans ce cas précis, cela pourrait vous détruire si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres. Pardonnez-vous et laissez Dieu faire son travail. Alors, Tata Tioma, Tonton Biodou, que va-t-il se passer? Oma! Qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit ressemble à la cuisine. Supposez que tu vas dire de laver les plats et nettoyer la cuisine et aller me laver tes cheveux. Que fais-tu ici? Je parle et elle est toujours au même endroit. Biodo, je n'arrive pas à y croire que tu les as laissés te foutre au nom de la délivrance. C'était pour le problème de l'enfant. Ça se voit que depuis tout ce temps, tu te moquais de moi. On peut adopter, tu le sais.
c'est la parole qui délivre et non le fouet. Ce n'est pas le fait de te fouetter. Je vais aller voir le docteur demain pour qu'il enlève le stérilet. Ça réglera le problème? Hein? Écoute, Biedou. Personne ne doit être stérile sur cette terre. Sauf si tu te sabotes par la peur du changement de la vie. En plus, le Père ne nous a pas donné un esprit de peur, mais l'amour et la puissance. Je vais aller bouillir de l'eau pour venir te masser. Attends. Je suis désolé pour tout. Je suis aussi désolée. Hey bébé. Hey chérie. Tu as disparu, où est-ce que tu étais? Je t'attendais pourtant. Emballer un cadeau. De quel cadeau s'agit-il? Non mais c'est pas demain. Je sais. Alors? Joyeux Noël. D'accord. Ouvre-le. Là, elle est vide. Mais elle est vide. Juste ouvre-le. Que peux-tu bien avoir à l'intérieur? Ok, laisse-moi voir. Regarde. Eh bien, le cadeau est à l'intérieur de l'enveloppe. D'accord. Juste regarde. Elle a rien. À l'intérieur. Regarde. Bébé, que signifie la présence de ces deux lignes? Tu es... T'es sérieuse? Attends, tu veux dire que tu es...